Mon premier direct en stream. Donc là, c'est mon premier direct sur Twitch. Bon, on va attendre un petit peu que les gens ils arrivent, qu'ils se connectent. Bon, ça arrive tout doucement. Donc là, aujourd'hui, on va faire du bricolage. Yo, salut! Il va falloir que je nettoie là-dedans, ce bordel là. Mon beau taxi qui est tout propre. On s'occupe en attendant. Bon, ça va l'équipe? Ça, on va le virer. Salut. Hop. Bon, je me suis fabriqué un petit trépied de fortune avec du scotch. Et bon, ça va faire le taf pour poser l'iPhone. Comme ça, là, on filme à l'iPhone directement. Ah bah, il y a du monde qui arrive là. Ça commence à arriver. Hop, le petit trépied, je vais le poser là-dessus après. Ça, je voulais mettre un petit coup de soufflette en attendant que les gens ils arrivent. J'ai refait une petite modif, ça, pour ceux qui l'ont vu sur Snap. J'ai retaillé tout ça à la meuleuse. J'ai remastiqué tout le dessus. Donc ça me plaisait pas, il n'y avait pas cette petite pointe qui descendait jusqu'en bas. Ça s'arrêtait ici et ça faisait trop carré. Et dans le film, on voit bien que ça fait un arrondi comme ça qui va jusqu'au logo Peugeot. Et là, ça me plaît mieux, là, comme ça. Mais il va falloir que je renforce tout ça. Donc tout à l'heure, dans la vidéo, enfin dans le direct, on va découper de la fibre. Tac. On va recoller ça à la résine. Salut, j'espère que tu vas bien. Magnifique projet que tu réalises. En plus, j'ai exactement la même 407 V6. Effectivement, c'est le V6. Je vais te montrer en attendant que tout le monde arrive. Mais arrête. Salut Dylan. En tout cas, je vois que ça vous fait kiffer, c'est cool. C'est mon premier direct, hein. Alors soyez gentils avec moi. Oui, j'avais mis du scotch parce que là, j'ai fait une vraie prise d'air, voyez-vous. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Et pour pas qu'il y a de la résine qui coule sur le moteur, j'avais mis ça. Là, il faut que je finisse ça aussi à l'intérieur, j'ai pas fini. Oh, il y a encore du boulot. Salut, salut. Monsieur Ro. Le taxi 1, tu l'as toujours? Ou alors tu l'as vendu? Non, le taxi 1, ça fait longtemps qu'il est vendu. C'est ce qui m'a permis d'acheter cette magnifique Audi A8. Bonjour madame. Ça, on va le dégager de là. Alors ça, c'est un pare-choc que j'avais fait pour... Attendez, au pire, ce que je vais faire, je vais poser le téléphone ici. Du coup, je vais pas pouvoir... regarder vos messages très longtemps. Hop, voilà, mon petit trépied. Tac. Ça, je vais le mettre par le bord pour pas l'abîmer, histoire d'avoir un peu de place. Après la journée de taf, à reposer de la BMW toute la journée, on continue le ponçage, le mastic. Je vais pas s'ébouffer de poussière comme ça. Alors, on va commencer par quoi? Est-ce qu'on finit d'abord cette prise d'air là ou l'autre? On va faire d'abord celle-là, parce que celle-ci, je n'ai pas envie de mastic, je vais vous montrer. On va commencer par ça, tiens. C'est un projet de ouf, merci. Oui, effectivement, je te confirme, c'est un projet de ouf et qui prend beaucoup de temps.
C'est Dylan, comment on va? Bah, ça va très très bien. Alors là, du coup, ça, on va le poncer au gros grain. Et l'autre côté, je ne l'ai pas fait. Donc là, en fait, c'est du mastic fibré qui est dessus. Donc la base, c'est de la mousse polyuréthane. D'ailleurs, là, vous pouvez le voir, il y a de la mousse qui a été remise dessus. En fait, si vous voulez, ici, j'ai refait une modif, ça ne me plaisait pas. Dans le film, on voit bien que ça fait vraiment un arc de cercle. Et moi, ça faisait genre tac et vraiment en pointe, quoi. Donc du coup, j'ai remis de la mousse partout sur cette partie-là. Et l'autre côté, j'ai pas eu le temps encore, donc on va faire ça tout à l'heure en direct, on va recouper tout ça comme il faut. Mais on va commencer d'abord par celle-ci, ensuite ça, ensuite celle-ci on la ponce, et on finira par le devant, je pense. Oh, l'état de la voiture, un sacré nettoyage à faire. Donc là, toutes les vitres sont teintées, hein, même le pare-brise, c'est stylé. Dans deux semaines, on attaque l'aileron escamotable sur les côtés, ça va être ouf, en inox. Donc rien que ça, c'est un gros budget, mine de rien, tous ces trucs-là. Je suis en train de travailler avec un ingénieur aussi, donc ça prend du temps et de l'argent. Bon, bah c'est parti. Là, on va commencer par celle-là. Hop, je vais vous placer ici. Comme ça, vous allez bien, vous allez me voir. Tac, voilà. Tu te caches? Non. Ah bah tiens, une petite bière, c'est pour moi. Oh, t'es trop mignon. Merci. Ma santé. Santé. Je vais commencer par ça. Bon bah, je vous présente Maëva. On ne voit pas beaucoup, elle se cache souvent dans les vidéos. Mais elle m'aide beaucoup à travailler sur la voiture aussi. Donc elle est très présente dans mes délires. Tu veux que je te l'ouvre? S'il te plaît. Tu peux parler, tu sais. Ils vont pas te manger. Et surtout que la prochaine vidéo YouTube, c'est madame qui installe l'autoradio. Dans la 407. Donc, elle est future youtubeuse. Merci. Attends, je vais à la faire tienne, ça. Ce qu'ils disent. Ouais, bah tiens, t'as qu'à faire ça, tu peux. N'hésite pas, vu que toi t'es là, tu peux lire les commentaires. Juste décaler parce que je les vois pas. Vas-y, vas-y. Tu fais. Bah, c'est toi la caméra, là, après tout. N'hésite pas, tu me dis les commentaires. Mastic. Ah, en plus, tu vas l'arracher, en fait. Oui. Oui. Ah, ça, c'est bien. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Pas bon. Ça marche. Donc là, on a deux sortes de mastic. Donc, un qui coûte plus ou moins cher et un qui coûte moins cher. Donc ça, c'est du mastic fibré, qui est vraiment top. Et ça, une fois que c'est dur, après, c'est impeccable. Et ça, c'est le mastic de finition. Donc, le jaune qu'on voit qui est enduit sur celui-ci. On va commencer d'ailleurs par celui-là. Je t'ai acheté des microfibres. Oh yes, merci, c'est cool. Tiens, trouve-moi un petit bout de carton, je vais faire mon mastic dessus s'il y a moyen. Junior 2710, Maëva aurait pu ramener une bière à tout le monde. Lol. Allez, c'est bon. C'est pas faux. Je peux pas être là pour tout le monde. Et tu remarqueras qu'aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai pas mis de chaussettes avec mes claquettes. Que moi aussi, j'en ai mis. Ouais. C'est moche. Nesta 44, salut à tous. Salut Nesta. Un petit tournevis. Oh, t'auras pu ranger mon garage un peu, c'est un peu le bordel. Ah, ça, j'aime bien. Ben Franklin 9, bravo madame, on t'a vu bosser sur les autos. Franchement, j'en serais incapable de faire ça. Merci. Voilà. Je confirme. Il faut que je coupe à la meule du pont, là, c'est dangereux. Il prend les pattes dedans. Mais je confirme, elle fait beaucoup de choses parce que bah, celle déjà qui a installé l'autoradio dans la 407, t'as fait quoi d'autre dessus? Bah, t'as changé la porte. L'aile. Et disque étrier de frein, plaquette. Tu démarres bien. Alors, c'est moi qui lui ai tout appris aussi. La bonne blague. Remarque, ça va, il y a un peu du plastique dessus déjà. Oui, ça fera l'affaire. T'as le carton de l'autoradio sinon, tu peux découper. Attends, à ta gauche. Non, mais attends, je vais prendre déjà de l'acétone. Anto 8304, tu as toujours la 407 taxi 1. C'est pas une 407, 406. Oui. Et non, elle est vendue seule. Elle est vendue, c'est une histoire de ouf d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais dit, ça sera une exclu. C'est une voiture qui a été déclarée volée il n'y a pas longtemps. Donc mon taxi 1 a été déclaré volé. C'est ouf. Donc, ça se trouve, on retrouvera dans 10 ans. Il va dormir sous une bâche, on ne sait pas. J'ai pas plus d'infos que ça pour l'instant. Bema 12600, bravo pour le changement de disque et plaquette. Merci. Donc là, ce que je fais, je mets un petit coup d'acétone partout
pour bien dégraisser, pour que ça colle comme il faut. Là, c'est plein de poussière, alors. Cédric CM26, salut Madame Gauthier, salut à tous. Madame Gauthier, pas exagérer non plus. Oh. Reste tranquille, toi, avec ton sourire. J'ai rien dit, moi. Dans une équipe de Pokémon, on a droit à 6 Pokéballs. Connard. J'ai le droit, ça. Il me reste 3 Pokéballs. Merde. Il va mourir avant la fin du live. Là, toc. Ah si, aussi, il faut qu'on fasse... Bah, on va faire en direct après. Je vais faire les petits bâtons là dans le milieu en plexi. Ça. Dawid Croquette, ça me ferait mal de voir mon V6 dans cet état-là, MDR. Ah bah, moi aussi, mais bon, y a pas le choix. Et c'est que le début. Faut que je chope une raclette. J'ai vu le bordel. C'est bien, c'est que j'ai anticipé le truc, hein, c'est vraiment improvisé. Hein, c'est le bordel total. Alors, une petite raclette, tac, on va prendre celle-là. Même si c'est pas très, très fort. Oh, attends, je vais prendre du... Tu peux me ramener les petites raclettes 3M, là, j'achète sur AliExpress, les deux qui sont sur le garage. Ouais, j'arrive. Dylan, ah, je sais mieux où sont rangées tes outils que toi, alors me dis pas où elles sont. Ça l'a posé. Alors, en attendant de faire ça, tiens, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça aujourd'hui, je suis assez content. Acheté sur AliExpress aussi. Les petits boutons triangulaires pour du coup le tableau de bord. Vous savez où il y a l'écran qui va sortir. Là aussi on va se faire chier, on va faire un truc de ouf. Aéron escamotable, des ailes, l'écran qui sort avec tous les boutons, les manos connectés, l'USB qui sera en direct, qui sera directement dans le truc. On va faire quoi d'autre? On va faire sac à vomi, boîte à gants connectée, plein de trucs. Tiens, une bonne question, Rocky 30, ton A8 tu la vends ou pas du coup? Honnêtement, j'ai eu des offres de ouf. Bah justement, au départ, je vais la vendre pour financer un peu ce projet-là, parce que ça coûte cher, mine de rien. Et ça fait roncher de la vendre, alors. Je ne sais pas. Pour l'instant, la meilleure offre, elle est à 47 000. Et le gars est vraiment chaud patate pour l'acheter. Celles-ci, elles sont vraiment top. AliExpress de base. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Ah, le coup de la A8, c'est vraiment une question qui revient. Hein. Il y en a un deuxième qui l'a posé. Et ça, ok. Bah, c'est parti. Ah, peut-être mettre des gants avant. Dylan Cam, avoir des imaginations comme ça, franchement, chapeau. Justement, pour financer la voiture, j'en reparle, ça a été mis hier en place sur Snap. C'est un abonné qui m'a dit de faire ça, et c'est vrai que c'est pas bête. J'ai créé une petite cagnotte pour ceux qui veulent, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. C'est surtout pour les jantes. On a trouvé enfin les vraies jantes taxi, mais 4000 balles les jantes, quoi, ça coûte. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent participer au projet. Même si c'est pas grand chose, il n'y a pas d'obligation, c'est vous qui voulez. Ah, donc là, on prend un peu de plastique. Tac. L'endurcisseur et puis on enduit tout ce machin. Ah, moi j'hésite pas à mettre à chaque fois pas mal d'endurcisseur, même si normalement c'est que 5%. Alexandre Wallester, tu achètes dans quel magasin tes matières premières? Et ben tout ce qui est mousse PU, brico dépôt, elle est très bien parce que moi j'aime bien les mousses qui durcissent assez fort. Et moi je travaille avec le pistolet à mousse. Après, on achète quoi d'autre? De la Sika? Bah, Sika c'est brico dépôt aussi. J'ai quoi des bons aussi, et puis il y a quoi d'autre? Le plastique, c'est quoi que tu as sous? C'est le Hello. Le Hello. Il y en a un à Angers, Le Mans, et après, je sais pas. Bon, c'est un magasin spécialement pour les voitures. Quoi. Ils vendent plein de pièces auto. Donc là, on touillasse tout ça. XX Sutter 13 AFP, moi je pense que ton taxi va être ouf. Je pense aussi, en tout cas, je suis à fond dessus pour qu'il le soit. Et j'ai dépensé sans compter. Et c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Parce qu'il y a une qui gueule derrière. Oui, non. Je suis toute mignonne. Ça dépend, mon choix, ça. Je sais pas. Ah. Hop, c'est parti. Dylan Cam, c'est toi qui vas la peindre, la 407? Eh ben, je me suis tâté, franchement. Je m'en sens capable. Mais vu que je veux qu'elle soit vraiment parfaite et nickel. Et eh ben, je pense pas du coup. Je vais passer par un carrossier. J'ai déjà peut-être un partenariat pour une peinture, donc à voir. Mais en tout cas, c'est moi qui vais la peindre sur en primaire et il y aura une vidéo complète sur ça où je vais la peindre en primaire. Au pire, vas-y, prends le trépied, puis tu peux filmer de près, comme ça ils verront comment je fais mon petit mastic. Celui-là, il est vraiment ouf, il est génial. Parce que dès que tu l'étales, ça te lisse le truc. C'est impressionnant. Bien sûr, il y aura plusieurs couches, plusieurs étapes. Hein. Là, c'est vraiment juste la première, c'est un dégrossi. Et après, je décale tout ça au gros bain. Comme ça, vous allez voir le avant. Donc, comment qu'il était là juste avant. Bien sûr, je l'ai poncé. Hein. Le mastic fibré a été poncé avant de lancer le live. Je l'ai fait hier soir.
Parce qu'en ce moment, c'est tous les soirs que je suis là. Ça fait des sacrées journées entre la journée de placo plus le soir. Un commentaire qui va te faire rigoler. Ben Franklin 9, t'es obligé de nous sortir une vis à placo avant la fin du live. Ok. En plus, ça tient avec des vis à placo. J'en ai foutu en dessous. Monsieur Ror, PTDR, faut dire que madame te met bien. Tous les soirs, on bave tous sur Snap. Il y a une question. Tu vas rediffuser les lives sur YouTube ? Eh ben, celui-ci, oui, vu que c'est le premier. J'y ai pensé. Et on me l'a demandé, donc je pense que je vais écouter la communauté. Donc le premier, je vais le faire. Après, les autres, je sais pas. Bah, dites-moi, tiens, si vous voulez que je les diffuse tous sur... Il n'y aura pas non plus énormément, je pense, je sais pas, à voir. Si vraiment ça vous plaît et qu'il y a du monde qui vient à chaque fois, il y a moyen. Il y a eu une autre question aussi qui rejoint un peu celle-là. Est-ce que tu vas faire des lives tous les mercredis à 18h30? Eh ben, pourquoi pas. Si je vois que tout le monde le demande, ouais, ça peut se faire. Hop, là, c'est pas trop mal. Je t'écrase en Toyota. T'as trouvé le volant pour la 407? Eh ben, bah tiens, tu peux aller leur montrer, il est sur la table. C'est pas le bon, c'est un volant Momo. Mais il ressemble presque comme deux gouttes d'eau. Après, il faut que je le modifie un peu aussi. Mais bon, à voir. Je pense qu'en fait, le vrai Isotta est juste introuvable. C'est surtout ça. J'ai regardé partout, j'ai cherché partout. C'est des pièces qui sont introuvables. Faut tomber sur la bonne case, quoi. Si tes abonnés veulent s'amuser, ils peuvent chercher pour toi aussi. Hein. Ouais, c'est volant Isotta. Après, j'ai pas trop d'infos là-dessus. Il est noir et gris de mémoire, il me semble, c'est ça. Ouais, hein. C'est ça. Parce que putain, j'ai pas fait assez de mastic. Je vais prendre un petit coup sur les côtés parce que du coup, la fibre résine a été aussi sur les bords, exprès pour que ça soit bien moulé à la carrosserie et que ça ne s'arrache pas aussi en roulant. Autre question, pourquoi tu fais sur Twitch et pas YouTube pour le live? Je sais pas, parce que c'est un pote qui m'a dit teste sur Twitch, c'est la nouvelle mode, on va dire. Alors, je teste, c'est la première. Bon, je vais reposer la caméra, j'ai envie de boire un coup. Vas-y. Hop. Là. Oh, j'avais pas assez. Je vais fermer un petit peu. Hop. Monsieur Rowe, moi je veux bien, c'est trop lourd des lives comme ça. Faut que t'en fasses toutes les semaines. C'est marqué, on est combien à regarder? On est 90 là. 90. C'est cool, hein, bien, en peu de temps, on est monté à 250 abonnés là. J'ai créé mon compte Twitch il y a 2 jours, même pas, un jour et demi. Sans vis à placo, c'est pas Dylan. C'est vrai. Là, c'est pas mal comme ça. Là, je sens qu'il est en train de durcir, ça tire vite. En même temps, j'ai mis beaucoup de durcisseurs. Pas trop mal. Hop, avec les doigts. Fan pompier, mais bonsoir à toi aussi. Et voilà, ça c'est bon. On va sécher. Ah si, ça va. Ah puis là il durcit. Là. On dépêche. Après je vais faire un petit peu de bruit, je vais prendre la ponceuse. Ça passe rapide. C'est juste décapé de l'autre côté. C'est pour ça qu'après sur Twitch c'est souvent des. Moi je connais pas trop honnêtement, je regarde pas les trucs de jeux vidéo. Même si je suis un ancien gamer, j'ai plus le temps maintenant. J'ai plus le temps. Mais ouais, c'est vrai que sur Twitch, il y a beaucoup de lives de jeux vidéo, je crois. Là, ça va être une première, je pense. Un bricolage sur Twitch. C'est assez sympa comme question. Salut Dylan, tu as pris où tes codes pour la 407? Eh bien, tout simplement parce que j'ai vu plusieurs voitures comme ça. Et par rapport aussi à beaucoup de photos. Des photos que j'ai prises sur Internet, des photos qu'un abonné m'a envoyées de la vraie. D'ailleurs, bientôt, on va aller voir aussi celle de Franck. Et par rapport aux photos, moi, j'ai pris, par exemple, une cote de la photo, il faut la recalculer, et ça donne, du coup, une cote réelle. Et ça prend beaucoup de temps à faire, ça, c'est ce genre de calcul. Après, je dis pas que je suis au millimètre près, hein, parce que ça va être un peu compliqué sans forcément avoir les ramoules. Mais je pense qu'on se rapproche du centimètre près, honnêtement. Voire 2 cm moins. Elle est encore en cours, donc c'est possible qu'il y ait encore des modifs comme là pour le toit, comme j'expliquais tout à l'heure. Hop, on va se côté. Lindis 78, bonjour, vous allez bien, je vous kiffe vous deux. Mais oui, on va très bien et merci à toi pour ton petit message. Hop, bon, on attaque le côté. Préparer la ponceuse, pas le dire. Je t'écrase en Toyota. À ton avis, le projet taxi va durer combien de temps?
Alors là, franchement, c'est une très bonne question, je la pose presque tous les jours, mais je ne sais pas. De toute façon, c'est simple, ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a taxi, enfin qu'on était chargé à Paris. Ça fait un mois et demi à peine. Donc en un mois et demi, voilà, vous voyez ce qui a à peu près été fait, donc bah, tout est prise d'air, et encore, elles sont pas terminées. On suivra après le devant, donc, quand je déplacerai. Il reste encore en place. Mais bon, il va être fait dans 15 jours, mais il sera fait complet. Donc il ne restera plus qu'à voir le système éclosionnaire. Donc soit on part sur un système avec un ressort dans le milieu, c'est-à-dire en gros un ressort qui va pousser de chaque côté, ou alors un système avec un gros vérin qui va de chaque côté. Donc je ne sais pas c'est quoi qu'on va choisir, on ne sait pas encore. Encore on voulait passer un câble électrique et le faire électronique, mais ça a été compliqué. Déjà, il faut que je fasse aussi les câbles pour les plaques, parce que les plaques vont se tourner à l'avant et à l'arrière. Et en fait, ça m'est passé, j'ai pas reçu ma plaque à l'OM. J'ai fait faire une carte sur le papier à poncer, donc moi, je... On a eu un avis de passage, c'est peut-être ça hier. Mais comme la poste, c'est des fonctionnaires, entre guillemets, et qui sont encore fermés dans Saint-Sylvain. Ouais. Donc là, j'utilise du 80. Bah, quasiment tout, je pense tout le 80, je me fais pas chier. Parkside, Lidl, c'est très bien. J'essaye de cadrer en même temps, je suis désolé, ça bouge, mais... Ah, j'essaierai de finir avec un petit 220, pour que ça soit bien lisse. Non, bah, je vais pas ouvrir la porte cette fois-ci. GG 1609, salut vous deux, c'est partager une passion quand on est en couple. C'est exactement ça. Couple, c'est ma maîtresse, quoi. La maîtresse, ça fait longtemps quand même. Oui, bon, c'est un détail. De quoi tu Madame, le Q7 roule fort ou pas? Ouais, il roule bien, il roule fort. Là, ça serait bien de le laver. C'est oui. Une poubelle ton machin. Hein. C'est un détail. Ah, bah oui, c'est un détail. Micam 36 3E6, salut Dylan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la A5, mais c'est normal, elle a été vendue cet été. Là, il me reste que mon A8 et mon Q7. Il me reste plus que ça. Et la 407. Oui. Mais rien quoi. Là, quand même, je ne vois pas, donc ça fait un gros bloc costaud. Ça me faisait peur au début, mais là, c'est réglé. Ça, on a rendu à moins 4 couches, quoi. 4 couches de mastic. Plus un plexi qui a été collé à l'intérieur. D'ailleurs, tiens, après, on va mettre les deux petits trucs, on va les coller à la Sika. La Sika, c'est top. C'est comme un silicone, mais qui peut être peint. Et ils le vendent de toutes les couleurs, gris, noir, franchement, c'est top. Et ça coûte pas cher, quoi, c'est 10 balles. Thank you.
Salut Dylan, continue comme ça, tu gères trop. Ça, c'est des petits commentaires qui font plaisir. Ouais, c'est ça. Mais le camion, c'est le tien aussi. Non, c'est pas le camion. Tu fais quoi comme taf? Mon camion, je l'ai vendu, c'était mon Iveco avec écrit merci Jackie Michel. Ça, je me dis. Ça, et pour répondre à vos questions, oui, la A4, elle a été vendue aussi. Il reste vraiment que la A8, le Q7 et la 407. Et pour répondre aussi à ta question, Christophe56, le taxi, oui, le taxi 1, il a été vendu, il ne nous appartient plus. Et comme disait Dylan tout à l'heure, il a été déclaré volé. Voilà pour la petite anecdote. Je vais faire un petit snap en direct, inviter la communauté snap à rejoindre le live. Bon les amis, on est en direct sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. La petite caméra est juste à côté. Tac. Il y a de la meuf, là. Tu peux nous montrer l'intérieur de l'écope. Ah bah si tu veux. Vas-y, bah prends le... Je vais prendre la caméra, hop. Il ne reste plus qu'à poncer le bord. Ah, c'est pour ceux qui vont dire ouais, sur un taf de ouf, mais je ne suis pas du tout carrossier, hein. C'est du fait main, fait maison. Hein. Fait par un gars du bâtiment, on va dire. Donc, je joue beaucoup à l'œil en fait. C'est, on prend des codes d'un côté, on retrace la même de l'autre. Donc, c'est avec des coups de crayon, on coupe la mousse. Une fois qu'on a tout notre truc qui est parallèle, plus ou moins au millimètre près, après on met du mastic et puis sec. Après, ça se joue beaucoup à l'œil. On regarde machin, on prend des codes par rapport au montant de porte. On regarde si de côté c'est pareil. Moi, il n'y a pas de moule d'un côté qui est exactement le même que l'autre. Moi, c'est vraiment fait du sur-mesure. Quoi. Et c'est ça qui est difficile, on va dire. Un petit truc là, puis après, ça sera pas mal. Vendu combien le taxi? Le taxi 1 il est parti à 22 000. Et il y a une vidéo YouTube directement sur YouTube où j'explique déjà tout ça. Est-ce que tu regrettes de l'avoir vendu? Bah je regrette, oui bien sûr un peu, mais après il faut bien savoir passer à autre chose de temps en temps. C'est pour ça que je voulais faire absolument ce projet là, taxi 4 ou 5, et il fallait forcément vendre un pour investir dans ce projet là. Au bout d'un moment, faut faire un choix, on va dire. Même si ça fait un peu chier. Bah, comme on a 5-2, moi, la 5-2, je l'ai kiffé celle-là. C'est, je crois que d'ailleurs, c'est la voiture que j'ai gardée plus longtemps, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est au moins 4 ans. On l'a gardée 4 ans, cette fois. Genre, les voitures, je les garde 6 mois, mais celle-là, c'est vrai que je l'ai gardée vraiment longtemps. En même temps, elle était vraiment ouf. Hein. Elle marchait fort, elle consommait rien du tout. Bah, elle était trop belle. Je suis amusé, c'est un produit qui est vieillir. En marche, c'est un zoom, machin, c'est un smooth. Oui, en même temps, vu la taille. Le V6 mazout, c'est exactement ça. Et qui fait un bruit d'essence en stage 1 ou stage 2, c'est un peu. Voilà, petit bord arrondi. Question intéressante, tu vas faire comment pour les extensions d'ailes et bas de caisse du taxi 5? Bah, je pense que c'est le même principe. En gros, on part sur une base de mousse. Mais avec. Pour les bas de caisse, je pense que je vais mettre un plastique. Genre. Qui savent que l'électricien. Pour ceux qui savent ce que c'est. C'est des trucs de tableau électrique. Pour moi, c'est du plastique souple qui est vachement large. Mais à voir, je sais pas. Franchement, je j'ai pas encore réfléchi à ça. Pour les côtés, bah, c'est simple. Hop. J'ai acheté ça, pareil, sur Ali, une centaine d'euros, même plus que ça, je crois. Les 4. Donc, ça peut être une très bonne base qu'on va modifier, bien sûr. Et adapter. On perd aussi le clignotant. Les cales de roue, faut que je fasse des cales sur mesure de 5 cm. 4 cm. C'est énorme, c'est-à-dire que la voiture va être élargie de 8. T'es en train de me dire que j'ai changé les ailes, mais que tu vas les recouvrir. Bah, ah. Il est ici, hein. Il restera une petite partie, là. Ouais, là. D'accord. Bah, voilà, c'est ça. On a aussi les échappements Rébus, qu'un abonné m'a gentiment envoyé, franchement. Ça, c'est cool d'avoir une communauté comme ça. Donc ça, on va les adapter. Bien sûr, on va faire 2 mm d'échappement, normalement. C'est bien parce que tu réponds à la question sans même que je te l'ai posée. Ah ouais. Quelqu'un qui te demandait justement, est-ce que tu allais changer les pots. Ouais, si, c'est prévu. Bah, de toute façon, tout ce que... comme le film, quoi, ça va être vraiment au détail près. Est-ce que la A5 avait une ligne? Bah, bien sûr, ouais, bien sûr. H2. Bien, la bande taxi, elle aussi. Je sais pas quand je vais la raccorder, parce que là, je dois même la reconnecter à la boîte à gants. Et le câble, on voit pas dans le film. En gros, ils ont dû percer dans le toit, ou je sais pas comment ils ont fait. Ça, c'est un...
Si ce qu'on peut faire, on va couper tout de suite les petits bouts de plastique sur les autos. Fais-nous montrer l'intérieur. Attendez, je vais vous le montrer après. Je prendrai la main, j'expliquerai. Allez, bah tiens, oui, remarque, après tu peux montrer si tu veux le. Faut que je me prépare avant. L'autoradio. Oui, connecté. Ouais, tu le connectais en Bluetooth dessus. Ouais. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser la vision sur la GoPro. Oui, voilà. Je vais te mettre l'iPhone sur toi. Ouais. Comme ça. Tu vas couper où là? Ici. Là. Ok. Hop. Donc, ça, du coup, ce sont des petits bouts de plexi que j'ai entaillés à la meuleuse, que j'ai poncé au gros grain. Donc, j'en ai fait x2. Donc, avec ça, on va les coller ensemble à la glue. Je te coupe deux secondes, je veux bien ton téléphone, s'il te plaît. Ouais, tiens. Super, merci. Attends, j'ai pas supprimé l'historique. Attends. Arrête. Ça va bien se passer. Reste tranquille, il me reste 3 Pokéballs, je te dis. Donc, ça, du moi, coup. Je suis pas poutou. Donc, arrête de me perturber aussi, là. Elle est où ma bière d'ailleurs? Non, bref. Donc, ça, on va les coller à la glue ensemble. Donc, ceux-là, ils sont prêts. Il faut que je leur fasse. Ah non, il me reste qu'un seul à couper, je crois. Ouais. Non, deux. Il y en a l'autre. C'est quoi ce garage qui est pas rangé? Ah non, ça, on va pas le faire à la meule parce que la meule, je crois que c'est chiant. Ça fait fondre le plastique. On va plutôt faire ça avec ça. Petite granelle. Ah bah, remarque que. Création d'âme. On va le faire avec la meule finalement. En attendant, j'ai collé ces deux-là. Donc là, hop, un petit coup, oh ben c'est pas la peine, j'ai bien nettoyé comme il faut. Ça c'est pareil, j'en utilise, j'en achète par carton les machins. La super butoir, elle est vraiment bien celle-là. Hop, on tartine, on bousine partout. Tac. C'est pas beau du mieux. Voilà. Ça se met parfaitement. Ah, ça colle. Celle-là, elle colle vraiment bien. Ah, ah putain, j'avais pas le droit. C'est horrible. Ah, tu te connectes directement en partage de call. Comme ça, va vous montrer un peu. Bah, c'est la prochaine vidéo YouTube qui sort. Ça sera l'installation de l'autoradio. Ça donne ça. Au niveau épaisseur, on est pas mal. Ça fait un bon centimètre facile. Bah, comme en fait tout l'entourage des prises d'air. Donc là, maintenant que tu leur montres l'autoradio, je vais découper d'autres morceaux. Je prends la main. Je vais piquer le téléphone. Je sais pas le dire. C'est ce que je vous avais tracé avant. Je découpe pas comme ça à l'œil. Même si j'ai des bons yeux. D'ailleurs, il y a un commentaire tout à l'heure qui a dit œil de lynx. Œil de chat. Moi, je vis la nuit comme le chat. Guillaume Plard, dit de poule. Bonjour Dylan. Ah, salut Guigui. Salut Guigui. C'est quoi, vous faites une partie de tête, mon Guigui là? Attends, je galère avec la perche. C'est vrai, c'est pas faux. Mais je suis pas youtubeuse, moi. Ouais, je galère, ouais. Et attends, deux secondes, oui. Comme ça, on... Alors, je reprends la main. Donc là, on a installé, du coup, l'autoradio Android. Enfin, j'ai installé. Vous verrez ça dans YouTube si vous suivez prochainement. Donc du coup, il est pas mal parce que c'est vachement... Enfin, c'est tactile. Là, il y a l'heure, la radio, le Bluetooth qui passe les appels. Et là, du coup, sur cette page-là, on a le Bluetooth pour la musique. Tac. Donc j'ai préparé avant, bien sûr, pour prendre de l'avance. Il vient de se brûler. Tac. Donc là, normalement, la musique est lancée. Et ce qui est top, c'est que fourni avec, quand on le commande, on a le... Excusez-moi, j'écoutais en même temps. Les commandes au volant qui restent fonctionnelles. Ça, c'est pas mal.
Ah, ça bug apparemment. Je peux pas vous montrer parce que je vais pas forcément démarrer, mais il y a la caméra de recul du coup qui est directement connectée. Il y a aussi les détecteurs. Elle fait... C'est pareil, je me suis pas connectée à internet, mais il y a le GPS directement. Il fait m'amuser. Il fait chaud là-dedans. Et ça bug. C'est possible. Bah, hop, donc ouais, là, le niveau GPS, ça charge. Je vais sortir de la voiture, c'est peut-être ça qui fait que ça bug aussi. Ça aura pas duré longtemps, la petite présentation de l'autoradio. Vous suivrez sur YouTube. Là, sur YouTube, ça bugera pas. La voiture, elle est bien étanche, alors, ça peut-être. Ouais. Alors, elle m'empêche de sortir. Ouais, ça bug. Je suis moitié brouillé de bois, là. C'est des risques du métier. Comment tu te machines ton truc, là? Ah, j'arrive pas. Moi, c'est une côte raide. La boum en direct. Voilà. La petite côte du Léon. Mais au moins, je suis douce et raffinée. Donc là, je coupe tout le surplus. Parce que c'est du plexiglas. Alors, plexiglas, il a fondu quand on coupe. Ça fait des trucs un peu dégueulasses, quoi. Donc là, je suis en train de virer tout ça. C'est plutôt bien d'intégrer cette autoradio. C'est vrai que pour un autoradio... chinois, on va dire, il est plutôt pas mal. Bah, comme le Q7. Hein. Il s'installe bien, il est top. Sur le Q7, c'est pareil. L'installation était plus rapide et plus simple sur celui-là quand même. Le temps que je termine ça, tu peux montrer sinon vite fait celui du Q7, c'est le même principe, mais sans l'allumer. Tu peux montrer le truc. Non. Non, c'est le bazar dans mon Q7. Ah ouais, tu veux pas montrer ta poubelle ambiante. Je vais vous montrer ça. Bah, mais après, ce qui est bien avec le Q7, c'est que c'est un gros truc qui fait tout le long. Il n'y a pas que l'autoradio, c'est le compteur qui va avec, quoi. Tout était complet. Et bon, 500 balles d'autoradio. Et celui-ci, la 407, je vais payer 300. 300 et un autre modèle à 200, 250 sur Ali, mais qui est moins performant. Voilà, c'est bon, ça bug plus du coup, depuis que je suis sorti de la voiture. C'est toi qui dégage des mauvaises ondes. Peut-être. Hop, bah moi je vais refaire pareil, je vais coller les deux, comme ça les deux. Clément, honte, salut mec. Salut. Allez, je vais montrer l'autoradio du Q7. Faut savoir, je vais montrer le Q7 ou je te garde toi. On en a marre de voir ta goule, on veut changer un peu. La ganache. Ouais, si tu le dis. Merde de m'embêter. Bah tiens, petite biquette. Hop. Ça va, il est rangé le Q7, il n'y a pas beaucoup de papier dedans. Donc là, du coup... C'est l'autoradio pareil et qui disait qui fait tout le long jusqu'au compteur en fait. Les boutons, il est tactile, tout ça. Là j'ai pas les clés avec moi donc je vais pas vous montrer comment il fonctionne allumé. Mais l'idée c'est ça. Tac tac tac. Le Q7 de madame. Du Q7. Qu'est-ce que t'as à dire encore? Tu veux parler de tes Pokéballs avec le Q9, non? Non, c'est bon. Non. J'ai plus de blagues à dire. Ouais, vaut mieux pour ça, toi. Attends, si vous montrez, j'ai reçu pas mal de petits colis là. J'ai plein de manos. Les petits manos qui vont servir. Oh, la poussière qu'il y a partout. Là, ils sont tout neufs, ça va être pour la boîte à gants, pour la console du milieu. Ça, ce sont des ampoules LED pour les anti-brouillards. Il y a tout passé en LED sur la voiture. On a ces LED projecteurs 3D qui sont là. On a le système du volant x2. Ça coûte une cinquantaine d'euros. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le turbo timer. Comme ça, la voiture va pouvoir s'éteindre toute seule. Même si ça arrive, il n'y a pas de turbo sur ce moteur-là. Sauf si on lui met un turbo. À quand le RSQ8 MDR? Trop cher. Quand je travaillerai plus dans le placo. Donc, ça, c'est le système du coup de clips. Pour le volant, donc on appuie derrière et hop, du coup on a le volant ici et ça reste sur la voiture. Donc j'en ai acheté deux comme ça coûte, il y a tous les prix, on est à pas cher, genre à 10 balles, c'est de la merde, et ça monte à 80 euros de près, ceux qui sont bien. Comme ça on va pouvoir mettre le volant dans le haut, enfin celui-là en attendant, et le volant d'origine, je vais pouvoir le clipser quand je veux aussi. Donc ça, ok pour ça, je vais préparer... Je crois qu'il y en a un qui se moque de moi. Ah bon? Ça fait quoi la 7 tonnes sur un cutter? Mais arrête! Ça, c'est quelqu'un qui fait snap. Oui, bah, tiens, bah,
Les conneries, elles sont là. Voilà. Bah, c'était mon cutter préféré. Tu sais. Il est tout neuf. Vas-y, t'as de l'âge. Tu ramasseras. Rigole pas trop. Je me fais peur. Je te fais une petite éjac. Oh merde, il est bouché. Ah ouais, c'est vraiment une petite éjac. Hop, 6K. Ton device. Sublime ce Q7. C'est vrai qu'il est vraiment beau. Mais il est gros. Je galère un peu à me garer. Puis ça consomme, ça rend bien. Ah, c'est pareil, il y a vraiment pas de problème de décision. Elle a niqué le cutter. Mais ils sont pas gentils avec moi. Ah, c'est un peu le bordel dans ton garage, ça m'incurange un peu. Hein. J'avais un tournevis, mec, tout à l'heure. Ah, ça se trouve, je l'ai laissé là-bas. Mais c'est celui qui est fondu, sinon. C'est celui qui est sur la mer. Bah oui, qui c'est qui l'a mis là aussi? À quand les nouvelles options sur le DA8 sur YouTube? C'est vrai, aussi. Bah, faut demander à madame, c'est elle qui va le faire. Je peux pas être partout. Qu'on fasse les petits seuils de porte audio exclusive. Il y a du boulot là-dessus. Frigo, console centrale avant à démonter, console centrale arrière, installer fax. Ah, là, ça me démoralise. Ça le démoralise alors qu'il vient tout juste de dire que c'est moi qui allais le faire. Oui, il faut bien un cerveau à poser quand même. Fallait. Tu vas pas pouvoir. Je vais retrouver un cutter qui est pas abîmé et puis je vais te faire du mal, toi. Hop, ça c'est bon. Moi, ce que je conseille souvent, je la fais chauffer au décapeur parce qu'elles sont raides, comme quoi. Mais là, j'ai la flemme. Alors, ça va faire l'affaire. Tac. Mes petites pattes. Tu comptes faire une prépa sur la 407, une prépa moteur? Ouais, il y aura bien sûr un stage 1 Bayer S-Tronic et à voir ce qu'on peut faire de plus. On verra bien. Ça. Attends, est-ce que ta ganache elle est coupée en deux? Je prends le téléphone, de toute façon je vais aller par là-bas. Hop. Ouais, vous voulez que je le suive ou pas? Ça va, rentre ici et ramène-moi un gant qui est sur le plan de travail, s'il te plaît. Ouais, je croyais que t'allais pas dire la formule magique. S'il te plaît. Ouais. La Pokéball numéro 4. Est-ce que les autres, elles se sont toutes échappées? Je suis la seule qui est restée. Non, elles sont juste au centre Pokémon pour les soigner, tu vois, parce que c'est tellement dégommé. Mais moi, je veux dégommer notre gueule. Elles sont tellement combattues. Ouais. Tiens. Attends, je mets un petit coup ton de gant pour fister. Pardon, pour faire du CK. Merci. Et les gynécologues, à 16h perdu, mesdames, si vous voulez. Retiens ce que tu m'as dit. T'inquiète pas, j'ai pas oublié. J'ai mis collègue avec tes doigts. Hein. Non, merci. Depuis, tu dis pas merci. Non. Oh. Bref, à la base, on parle de 407. Bon, est-ce que, bah, non, j'aime pas vérifier si mes coupes elles sont bonnes. J'avais bien sûr tracé avant. Bon, ça rentre, mais un peu à forcer. Mais en fait, j'ai pas repris le téléphone dans la voiture, moi. Faut que je rappelle un peu sur le dessus là. Tu vois ce que je vais faire? Je vais en coller qu'un pour vous montrer en direct. Attends, poussez-moi, excusez-vous. Prends mon téléphone dans la voiture. On peut rappeler un peu sur le dessus là. Ah, mon Dieu, c'est quoi mes codes de merde que j'ai pris là? Je vois jamais ta femme sur tes vidéos où Snap elle se cache. Oui, j'aime pas trop me montrer. C'est un choix personnel. PTDR vous deux. Je comprends pas pourquoi ils disent ça les gens. Je sais pas où j'ai pris les coques là, mais c'est pas ça. Hein. À un centimètre près. C'est facile, je sais, c'est parce que. Ce que j'ai tracé, j'ai pris un gros marqueur pour tracer, donc l'épaisseur du trait en haut en bas, bah voilà, t'as ça à 1 cm. Exactement, Guigui a tout dit. Elle est timide, Maëva. Voilà, ça c'est pas trop mal. Les lunettes de protection et les lunettes. Les chaussures de sécurité, monsieur Gauthier. Bah, ça c'est en option chez lui. C'est un détail. Alors c'était bien Marseille, Dylan a réussi à pêcher. On va passer ce commentaire.
Oui, j'ai réussi à avoir un gros poisson. C'est sur mon TikTok d'ailleurs. Tiens, pas Guigui, il a répondu avant toi. Prise loupée. Je l'ai eu le poisson. C'est que j'ai eu pitié de lui et je l'ai laissé repartir. Hop, c'est parti, on colle. Jean Joris, bonsoir, comment ça va? Ben, ça va nickel, et toi? Donc là, c'est parti. Ce qui est bien, c'est que j'ai pris un gant et je l'ai mis de sur la mauvaise main. Je crois que Guigui se moque un peu de toi. Un requin, il a dit. C'était un gros poisson. Les lunettes, c'est comme les clignotants, c'est en option. Bien sûr, je le fous à l'envers. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de mesurer, j'avais déjà fait mes tracés. Tac. Et puis une fois sec, on fera des joints propres tout autour après et je recouperai ce qui dépassera. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu le truc. Donc voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, un truc drôle. Enfin, pas drôle pour moi. Pardon. Reste tranquille. Ça, faut que je rentre sur la voiture du coup là. Je vais tailler la mousse là, sur le dessus, qu'elle soit prête à être enduite de mastic fibré. Et je vais pas y arriver à fermer ce putain de pot. Voilà. Tac. Tout ça. On pousse ça. Ah si, truc important. Voilà. Parce que là, ça va être l'heure d'apéro. Bah oui. Le chat, il est où trop beau? Bah, le chat, il fait sa petite vie, il est dans le terrain. Ouais. Gros chat, toute velue. Il est trop beau, ce chat. Je sais que j'ai une belle chatte. Pardon. Je vais te démonétiser. Bon, c'est parti, il me faut un zag. Il est mon zigzag. Et après, on terminera par la résine. D'ailleurs, pendant que je couperai la fibre, je te laisserai peut-être préparer le mélange. Ouais. Durcisseur et. Pas de soucis. Et résine. Donc là, vidéo gag. Tu vas nous montrer ton cucu. Je vais voir, c'est solide. Hein. Laisse mon chat tranquille. Hein. Mais non, je vais le montrer. J'espère que j'ai mis des claquettes qui glissent. Et vous inquiétez pas, c'est solide puisque j'ai déjà fait plein de fois. De toute façon, c'est juste un dégrossi. Hein. Là, je vais pas faire à la côte, c'est vraiment histoire de faire pareil que le côté. Tu m'as mis tes pots de mastic là, mais c'est là où je pose la caméra, chef. Ça s'appelle un trépied. Oh, puis tu mets du mastic partout. Oula. J'inquiète pas, ça bouge pas. Une fois qu'il sera par terre. L'alcool, c'est à consommer avec modération, il a dit, monsieur. C'est vrai. L'alcool est à consommer avec modération, c'est dangereux pour la santé. Santé. C'est de la peau de perdre un temps. Ma bière. Il va casser la vitre. Hey, mais toi, t'es pas censé être dans la cuisine, normalement. Je vais fermer la chambre. T'es sûr de toi? Attends, non, parce que je suis dans une position un peu dans le dos. Et... Une chute en direct, tu crois que ça peut faire le buzz? Là. Vas-y, je descends, j'ai plus de jambes. Ah, ah tes souhaits, merci les gars. De compète, là. Il est un peu pourri, ce machin. En claquette sur la 407, pouloulou. Fais chier, ce bon. Donc là, ça va être surtout... l'arrondi. Faut que je te mette une olive, ils ont dit. Non, une olive, c'est pas un carreau. Après, tu la prends quand tu veux, l'olive. Hein. Ouais, ils sont d'accord avec moi, tes abonnés. Si tu tombes, ça fera des vues en plus. Ah. À vue de nez, l'axe du milieu du centre. On ne voit plus, chef. C'est pas trop mal. C'est pas tout vilain, j'ai envie de dire.
Ça te fait un creux au milieu, non? Ouais. Mais attends, après, faut la repousser aussi. Tu oublies pas, t'as de la fibre résine qui va revenir par dessus. C'est vrai. Là, c'est vraiment juste histoire d'avoir une base à peu près bien, on va dire. Tu as pas peur de rayer les vitres? Eh ben, c'est pas bête ce que tu dis. Depuis le début, j'arrête pas de le dire. Faut que je protège des carreaux et je l'ai jamais fait. On s'en bat les couilles. Non, moi, je fais super attention. Je fais super attention. Tout à l'heure, l'autre jour, t'as fait faire tomber le... Hein? De quoi? De la résine? Ouais. Bon, voilà. Petit coup de ponçage là-dessus et puis après, ben, ça sera... Deuxième passe de mousse dans les creux, on recoupe ce qui dépasse, fibre résine. Ça, ce sera dans une autre vidéo ultérieurement. Donc là, c'est pareil, toi qui as poussé 80. Ça, je vais faire les petites découpes, ça, faut que je les fasse partout, ça sera fait comme ça. C'est chiant et c'est long à faire. Maintenant, c'est tout est chiant à faire. Et pour ceux qui se posent la question, la mousse se ponce et après, ça fait tout lisse. Après, tout dépend des mousses, mais celle-ci, c'est de la froid. C'est vraiment un travail à l'œil de base, et après, bon, on rentre dans le détail au millimètre près et peut mettre une règle. Comme après, je prends une règle pour pouvoir. Avoir le même que l'autre côté avec sûrement un arc de cercle qui me donnera la même forme symétrique, parallèle, perpendiculaire à tout ce que tu veux. Guigui, tes vitres sont protégées par la poussière. Un petit coup de soufflette. J'aurais pas dit que t'en t'inquiète, je sens la poudre de perlimpinpin entre mes doigts de pied. Mais arrête! Oh ma bière! Bah là, je suis déçu. Okay. Là. Bon bah. C'est quoi ce commentaire? Poncer la voiture et ce soir poncer l'anneau. On répondra pas. Sans commentaire. Très bien! T'as vraiment parlé avec la petite caméra. Il me faut un cutter, mais lequel choisir? N'est-ce pas, Maïva? La boîte est vide. Bah, tu nous as tous. Voilà. Une femme qui va dans un garage, elle pose tous les outils. Ça prend, ça vient. Tiens, regarde là. Qui c'est qui a démonté? C'est bien à toi de dire ça. Alors, ça, tu me laisses ça. C'est mes repères. Ouais. Je sais exactement où elles vont. Ouais, bah, moi, je la cherchais partout. Tu me laisses ça tranquille. Ah non. Bah, merci. Arrête. Je la cherche au moins pendant 10 secondes. Bah, ça, c'est pareil. Je vais lui casser la gueule en direct. Oh, ma veste. Je t'ai dit, c'est mes repères. Je cherchais aussi. Mon cutter, il me faut de la fibre. Donc là, on va couper ça. Donc là, c'est le moment où je vous laisse et que moi, je vais fermer mes langes. Ouais, tu me fais en quantité, alors je sais pas. Est-ce que je fais de la fibre ce soir sur ça? Oh, la flemme. T'as quoi à faire en fibre là? Non, on va juste faire, pour ce soir, on va juste faire ça. D'accord. C'est ce que j'ai découpé hier, et que j'ai agrandi. Et puis c'est tout. Donc en fait, il m'en faut. Je fais 250 grammes. Ouais. Donc tu okay. Mets 5% de. 5% de. 5 grammes. Ça va aller, tu veux que je te fasse ou... Non, c'est bon. C'est sûr. Genre, c'est toi qui vas le faire alors que je ne dirai rien. Donc là, on découpe une forme. Dylan, il a le boule qui chamboule. Eh oh, on se calme. C'est mon petit boule. Non, je sais pas. Mais même, on se calme. C'est mon boule à moi. Non. Si. Bon, je cherchais la balance, j'arrive. Hop. Ce qui est bien avec cette fibre-là, elle prend bien la forme. Elle est hyper épaisse, c'est impressionnant. Moi, j'ai mis là, sur tous les trucs, j'ai mis au moins deux ou trois couches. J'en ai mis deux sur les côtés et à l'avant, je crois qu'il y a au moins trois couches. Trois couches de ça, juste une déjà, ça durcit le machin, c'est impressionnant. Ça durcit le machin? Donne-moi un, s'il te plaît. C'est nickel. C'est peut être pratique. Putain, mais t'es chaud du cul ou quoi? Non, j'aime bien te faire des petites blagues. Ouais.
Ok, ça c'est pas mal, mais j'aurais peut-être pu le faire plus grand. C'est pas grave, je vais refaire une bande à côté. Alors. Vas-y, bah fais tes mélanges, ça va être rapide de toute façon. Je suis en train de penser que j'ai pas de récipient pour faire le mélange. Et ben. Ça, ça aurait dû se préparer avant. Hein, c'est cool. On va repenser la carte. Félicitations. Je recommence. Le blaireau, t'as dit quel blaireau quand même? Non. Bah si, c'est bien de me reconnaître, c'est pas la réalité. On supprimera au montage. Ah bah non, c'est du direct. C'est ballot. C'est vrai que là c'est chiant, on peut pas mettre de musique pour être roseur. Enfin si, on peut mettre des musiques sans droit, mais... Ouais, ça nul. On peut pas dire gros mots, on peut pas sortir sa pioche. Là c'est pas mal ça. Va dans la cuisine prendre un récipient. Non, non. Va dans ton lieu de travail, femme. C'est bien, c'est bien. Un petit plus deux pour toi. Hop. La douche, ça avance, Dylan. Partout, j'arrête. Habite à finir, j'ai le cuissette, encore des bricoles à faire. Elle, il y a un taf de malade. Et puis, bah, y a les travaux de la maison en plus. Donc, c'est ça qui est ouf, j'ai vraiment du boulot partout, j'arrête pas. Je suis en travaux aussi chez moi. Ce genre de caisse, quand même, tu vas faire tourner toutes les têtes. Ouais, je te confirme ça. Alors, attends, je coupe ça. Je suis prêt. Pas moi. On attend toujours les mêmes, de toute façon. Alors, moi, en arpège, ça dépend pas son chef. Je peux pas être plus rapide que toi. Putain, il fait chaud, mec, là. Je t'ai un poil. Bah, ça, c'est pareil qu'à moi. Faire. Je vais nettoyer ça. Un petit coup de soufflette, un petit coup d'acétone dessus. Tu veux être mignon? Ouais, dis-moi. Je vais chercher un pinceau dans la cuisine. Dans la cuisine? Dans le travail. Mais je sais même pas où sont les couverts déjà dans la cuisine. Mais non, sur le plan de travail. Tu te débrouilles, chacun son truc. Hein. D'accord. Tac. Vas-y. Bah, tu prends au pire. T'as qu'à prendre le cutter que t'as cassé. Oui, mais pour après appliquer la résine, il faut bien un pinceau. Je vais faire avec les gants, t'inquiète pas. T'es sûr? Ouais, sûr. C'est même mieux, limite à la main, je pense. Bah, ça va aller partout. Et là, je vais m'en ah présent. Ma pouillette aussi, elle a fondu dans l'acétone. Ah non, mais je te l'ai déjà dit, l'acétone, ça fait fondre le plastique. Faut pas... Très bien. Faut rien laisser dans l'acétone. Tout à l'heure, tu prends ça. Ah bah, c'est ça. Ça colle un peu chez nous. Ah. Avec tes petits ongles, là. Je me compte, tu vas y aller. Ça changera d'habitude. Celle qui est concentrée parce que sinon je vais faire du mal en live, mais après il y aura des témoins. Non. Limite. Attends, enfin, vas-y, fais ton truc. Je vais mettre un petit peu de consomme dessus. Parce que ça me plaît pas. Ça réunisse à des endroits. Histoire que ça prenne bien la forme. Quelqu'un qui sait comment enlever le chat à droite, fais-le glisser tout simplement. Il va pas me laisser parler. Fais-le glisser tout simplement sur le côté avec ton doigt. Arrête! Ok. Tu sers à rien, mec. Je disais le chat, tu fais juste glisser avec ton doigt sur le côté. Il part tout seul. Sauf si t'es sur un PC, bien sûr. Ça, je sais pas comment tu fais du coup. Ah, puis faut pas nous demander, on débute là-dedans. Regarde, c'est le premier. J'ai perdu le bouchon.
Il est à tes pieds, chef. Merci, j'ai. Hop, c'est parti. Alors, un gant. Deux gants. Non, un, c'est bon, t'inquiète. Oui, bah, prends-le de la bonne main cette fois. Ça, et tu l'as mis où? Mais non, je l'ai mis là. Donc là, ça me fait un beau petit produit tout bleu. Là. Et ça, ça colle très très fort. Donc là, je vais faire un peu tremper dedans. Au pire, pour la caméra, viens de près. Comme ça, on va bien voir le procédé. En plus, il me donne des ordres. Eh ben, ça va se régler ce soir, ça, tu vas voir. Reste tranquille. Oh, c'est une rassée quand même. Oh, t'aurais fait trop, hein. Je t'ai dit 250 grammes, tu m'as dit oui. Hop là, une petite crêpe. La lire. Comment ils vont fondre là? Bah, tu verras bien. Oh putain, en fait, il y a beaucoup de trucs. Lui, t'es qu'un pinceau, en fait, c'était peut-être un peu mieux. C'était quoi ta question par rapport aux jantes? J'ai pas dû la lire. Junior 2710. Oh bah, attends, il est. Non, c'est en train de durcir ou quoi? Non, c'est que c'est la fibre qui se. Qui se dandine. On va dire ça. Voilà. Dans mon sol qui était tout beau, tout neuf. Du coup, taxi 4 ou 5? Bah, du coup, en fonction des jantes. Si avec la cagnotte on arrive à acheter les jantes de taxi 4, bah on part sur le 4. Sachant que les jantes du 4, je les trouve quand même plus belles. Si je trouve pas. Enfin, si les jantes sont vendues avant, eh ben, j'essaierai de voir pour choper des répliques de taxi 5. C'est les moins chères qui se vendent sur le marché. Et même celles-là, je crois qu'elles sont assez galères à trouver, je crois. Honnêtement, je ne me suis pas encore beaucoup penché sur le problème, donc ça va être... Pour avoir cherché, j'ai pas forcément trouvé non plus les taxis 5. Hein. Ah, il s'est filoche tout seul le truc. Comment on fait s'il faut envoyer des objets pour le taxi? Eh ben, tout simplement, viens en privé sur Snapchat. Non? Si, ouais, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs abonnés. Bah, bon, là, justement, la résine, c'est un abonné qui m'a filé ça. Franchement, bah, c'est... Comme si c'était un don, c'est comme de l'argent, parce que ça coûte bien d'argent. Il travaille dans ça, et puis il en a récupéré pas mal, et c'est super cool. Dont aussi la Sika, le carton de Sika, c'est un abonné, donc pareil, il a géré de ouf. Et la mousse PE aussi, un abonné qui m'en a filé pas mal. Donc pour l'instant, honnêtement, je m'en sors bien, vu que tout le monde participe au taxi, et ça c'est cool. C'est vrai que je réponds plus facilement sur Snap, c'est là où je suis le plus sur les réseaux. J'aurais dû mettre devant, mais on va pas dire que t'avais raison. Vinkman 037, bien le bonjour à tout le monde. Et bien, bien le bonjour à toi aussi. On chasse les petites bulles d'air, voilà. Et une fois fini, ça, on va le reponcer. Et je remets une autre couche de fibre. Et après, ça sera une résine de finition qu'on va mettre par-dessus, que je n'ai pas encore testé. Qu'est-ce qu'il y a mal? La petite bière, je suis comme ça, elle va être froide, non, elle va être chaude. Exactement. Quand tu sais pas parler, tu me demandes, je finirai c'est tes phrases. Live. Ça, tu vois, ça aurait été sur YouTube, et ben je l'aurais coupé. Alors. Ah, il est en train de durcir de ouf. Regarde, ça fait tout pâteux. On pourrait passer quand voir ton taxi? Je pense. Bah, on organisera peut-être un rasso ou une rencontre, peut-être abonné. J'en avais parlé dans un lieu. Une fois, du coup, si vraiment la cagnotte ça marche vraiment et qu'il y a beaucoup de gens qui participent, je pense que je fais un truc. Avec la 407, on verra bien comment ça se passe, mais il y a moyen d'organiser un truc. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas très professionnel et t'es en train de perdre le bout de tes gants. Ah, je suis surtout en train de perdre ma peau, là, je sens que ça chauffe. Eh ben, avec de l'acétone ou du diluant, chef. De toute façon, j'ai décédé avant la fin de la vidéo. Voilà. J'ai donné 20 ce midi, moi. Eh ben, super, merci à toi. Ça te donne de la force. Merci à toi, c'est super cool. Attends, attends, vite que je me nettoie les mains avant que ça durcisse sur ma peau. Rencontre abonnée dans le jacuzzi. Non, ça, faut pas le dire. Ah, ça dépend. Si tu ramènes de champagne et des meufs, ok. Pourquoi tu ramènes comme ça? Ok, pour des meufs, alors. Non, je rigole. On te regarde galérer, là, c'est beau. Mais l'acétone, c'est tellement un pro... D'ailleurs, tu veux en arracher, l'acétone? Non. Bah, vas-y, maintenant. C'est pas cher. Non, en vrai, c'est mortel. Ça, j'en gaspille, il va dire une bouteille par... Peut-être pas par jour, quand même. Mais une bouteille tous les 2-3 jours, comme le whisky. N'abuse pas. Là, c'est bon, ça quoi plus. Il est lourd le téléphone. Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc, tu peux montrer, donc je vais laver les pattes. Attends. Oui, maintenant on a l'eau dans le garage. Et puis vous remarquerez que c'est... C'est très rangé. Très c'est... rangé. Bah, là, il y a ma vaisselle qui en attend. Hey, c'est quand même pas bon un robinet comme ça, dans un garage. Mais arrête. Non. Mais arrête. Allez, tu fous ma clé.
Ah, il n'y a jamais de torchon ici. Ah tiens, il y a ça aussi. Les bouteilles de Ricard qui sont là. Pour le Kitnos, c'est un abonné qui nous a filé. Et il a géré parce que j'ai galère à en trouver. Donc ça, du coup, dans le coffre, bah, j'ai préparé la plaque, elle est là. J'ai découpé une plaque ici. La taille du coffre que j'ai repeint. Oh non, par contre, je te coupe, il a pas le droit là. On dirait l'intérieur du Q7. Non, mon Q7 il est quand même plus propre. Hein. Je dis pas plus rangé, bah, mais si. Non, la différence, si. C'est que là il y a aucun ticket de caisse. Les tickets de caisse. Je vais aller le montrer le Q7. Non. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui nous demandaient les poules tout à l'heure, elles sont là. Ouais, bah je suis partout. Ah bah tiens, ouais, mon Guigui, le harpon il va servir. Mais enfin bref, tu m'as coupé dans ma lancée. Recommence jamais ça, mec. Je vais t'enculer. Non. Bref, donc ça c'est une plaque de bois que j'ai coupée de la taille du coffre. Donc là il va y avoir en fait la bouteille de Nos, la bouteille de Nos, mais du coup Ricard, avec des tuyaux qui vont faire comme ça, qui vont se croiser, des petites vannes d'arrêt, donc ça va être stylé. Et pour le coup je vais mettre, je sais pas comment je vais le placer, sur le côté ou dans le milieu, un vrai extincteur Nos. Bah, il est, vous l'avez vu sur YouTube, il doit être par là. C'est pas très beau de près. Arrête, je suis extra. Petite bouteille de l'extincteur repeintant bleu avec un sticker. Du coup, je peux en racheter d'autres. Ouais. Pour les bouteilles de Ricard, j'en ai d'autres qui sont là. Et voilà. Mais arrête, il se moque encore de moi avec le Q7. Ils disent pas comme hier, MDR. On le combien là sur le. On a 83, tout à l'heure c'est monté à 100. Ok. En tout cas, c'est cool, 250 followers. J'ai vu, après, je connais rien. Je sais pas si c'est abonné ou followers, mais pour un premier live, moi je dis que c'est pas mal. T'as mis quoi sur mon iPhone? Ah, je crois que c'était de la résine, t'as de la chance. C'est peut-être du fond de teint. Bon bah c'est pas mal tout ça. Et ma belle vente taxi, toute rénovée. Ça fait combien de temps qu'on est en direct là? Peut-être un petit coup là-dedans. Ah oh, c'est vrai que faut pas que ça coule. Tu veux montrer la petite bêtise que t'as fait la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ah non, non, c'est pas moi! Oui, j'ai fait tomber. Et tu l'as. Ah! D'accord. Pas. Tu l'as nettoyé. Ouais. J'ai pas fait ce qu'on t'as réparé ta bêtise? Non. Ça fait 1h15 qu'on est en direct. Merci Guigui et merci Sylvester Staline pour l'info. Pas trop. Putain, il y a de la colle. Ah, j'en ai plein les mains encore. Elles étaient pleines les bouteilles de Ricard quand tu les as reçues? C'est pas moi qui. Non, elles étaient vides. Non. Malheureusement. Mais non. J'ai mis du scotch. Ouais. J'étais pro sur ce coup-là. Oui, parce en fait, que... j'avais fait tomber de la résine l'autre jour sur ça. Il avait oublié qu'il avait fait une aération. L'avantage, c'est qu'il y avait ça de poussière. On enlève les mains, du coup. C'est pas drôle. Si, c'est très drôle. Bon, bah, je pense qu'on va terminer là pour ce soir. Tu vas nous faire à manger parce que j'ai faim. Non, tu m'emmènes au restaurant. C'est chiant. Mais on y va comme ça. Ça dépend, j'ai quoi en échange? Rien du tout. Ouais, on va bouffer des pâtes. Allez, c'est parti. Bon, bah, les amis, on va terminer ce live pour ce soir. Parce que j'espère que ça vous aura plu. Et je pense que bah, mercredi prochain, si vous êtes chaud, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou même dans les commentaires de la vidéo YouTube, du coup, vu qu'elle va être retransmise sur YouTube. Bon, bah, je vous dis à très bientôt, les amis, pour un prochain live sur Twitch. Il a été réclamé, il arrive. Regardez, les amis, dans quel état met ma voiture. Déjà, on peut dire qu'elle est propre. Le rousse pété va donc voir à l'avant ce que je fais à des courses. T'aurais pu au moins faire le tour de déchette que de le laisser dedans depuis deux jours. Là, il y a un nid de fourmis qui est en train de se faire d'ailleurs. Oh, pauvre voiture. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ah oui! Bon, ça va, t'es pardonné. Là. Bah, il y a de la bête.